Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai arrêté l'école très jeune et j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. Et mon premier travail d'ailleurs était pour un magazine déjà, donc déjà dans les médias. Et puis, après, je suis retournée faire des études très tard. C'est ça que je dis que j'ai un parcours atypique. Des études de business, d'entrepreneuriat et de marketing internet. Et entre deux, j'ai travaillé en fait des deux côtés de la barrière, donc beaucoup en relations publiques et relations presse, et aussi dans les médias. Donc j'ai travaillé autant pour la radio, pour Couleur 3, que pour la télévision à New York, pour MTV, ou pour un magazine de luxe en Suisse, et un autre magazine anglais. Donc j'ai vraiment travailler des deux côtés, on va dire, si on peut parler comme ça. L'envie de créer ma boîte est née, on va dire, de l'aboutissement de 20 ans d'expérience professionnelle dans la communication. Et puis, l'envie, en fait, de reprendre toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris dans les différents endroits où j'ai travaillé, et de le mettre au service de mes clients, d'avoir mes clients, de pouvoir être créative, de pouvoir innover, ce qui n'est pas forcément toujours possible suivant mon travail. J'avais vraiment besoin d'un endroit où je puisse innover sans avoir de barrières. L'originalité de Comnation, c'est le fait qu'on fasse de la communication hybride. Donc, qu'est-ce que la communication hybride? C'est en fait un mélange de la communication traditionnelle avec les nouveaux médias, enfin la communication qu'on fait maintenant sur Internet. Et c'est en fait utiliser les deux en même temps pour prendre le meilleur des deux mondes. Alors, l'étape la plus difficile, c'est les débuts quand on est tout seul, hein, et qu'on n'a personne pour nous aider parce qu'on n'a pas d'argent pour engager quelqu'un. Et ça, c'était des moments très très difficiles parce qu'en fait, on ne veut pas refuser du travail, donc on prend tout ce qui vient et on finit par travailler jusqu'à 18 heures par jour. Voilà.